אני חזרתי לעבוד. אה, כן, אני עובדת בחינוך מיוחד, אז מאתמול חזרנו. באמת? כן. אשתי לא החזירו אותה עדיין. היא לא חינוך מיוחד. וואלה. כל הילדים ביחד? לא, לא, הם עושים קבוצות של שלושה ילדים, ואז בעצם זה לא כל יום אותם הילדים, כן, רוטציה, זה אינטנסיבי, וזה קצת מפחיד, אבל בסדר. טוב, אחרי חודשיים של מנוחה, יש חשק לעבוד, לא? לא, זה לא מנוחה, כי עשינו בזום וזה היה ממש אינטנסיבי יותר. עדיף באמת להיפגש פנים מול פנים, זה פחות עבודה. On peut commencer. Vas-y, je mets le. Une seconde, on commence. Question, c'est pour vous, pour le RAV. C'est pour les participants. Vous êtes une dizaine, il y en a encore qui rentrent. Si vous n'avez pas le texte de Orot Hatshuva chez vous, alors peut-être on peut ici le partager sur l'écran. Vous pouvez me répondre par conversation. Voilà, j'envoie. Hop. J'envoie bonjour. Bon, ok. Voilà, ça se met sur votre écran. Alors, si vous êtes intéressé, le texte apparaît ici. Répondez ou par micro ou par chat, vous dites oui. Sinon, si vous l'avez à la maison, alors ne dites rien. Comme ça, on ne met pas le texte et vous pourrez voir le RAV en grand écran. Je l'ai envoyé sur WhatsApp. Pas. Pour le groupe, de toute manière. On est sur le groupe. On est sur le groupe. On va commencer. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend bien? Oui. On y va. Voilà. C'est bon? C'est bon. Donc, on reprend dans le prochain cours après cette période un petit peu compliquée. Mais c'est pas grave. On aura dessus. Donc, chapitre 15 de Orot Hatshuva, paragraphe 3, Yimen. On lit déjà. Acharata Ativit. Vous avez tous un texte devant les yeux? Quel? C'est bon? Je vais envoyer ça sur le WhatsApp. Acharata Ativit. Aboaret Balev. Mitrunata Shel Hatshuva. Ba Mitor Tsar Neshama. Shimitztaeret. מעמידתה על מצב אחד במעלתה. ואחת שהייתה צריכה בכל עת לעלות מעלה אחר מעלה. וכל וחומר אם היא מרגשת בעצמה ירידה. אלא שאם באמת היא ירדה לגמרי ממעלתה, כבר עובדת היא גם כן את חוש הצער הרוחני, על כל פנים היא מפגימתו. אבל הצער של עמידה על מקום אחד הוא נוקב ויורד עד למעמקי הנשמה. והרגשת הכאב גדולה היא מאוד, מפני שהנשמה שלא נדגמה בירידה, חושי הרוחנים הם בה חיים וירים. את הבערת הצער של עמידה על מקום אחד, שהוא הפך טבעה בכל מטרת הווייתה, היא יוקדת בה כי היא קוד אש, שהיא הפך לשלהבת אהבה רבה מלאתי עונג עליון. והתגברה לשוב את מכון עלייתה, ולהחזיק יפה בתכונת התעבודתה בכל עת, למען יזמך כבוד ויקדום, השם אלוהי לעולם עודקה. הלו, יש לי פה סוגיה הייתי קומפית, אני אומר כמה אם נתחיל לצפיקי קשר. החרטה הטבעית, בקוס הג'יטיב, quelqu'un ressent une souffrance intérieure. La boire de balève qui brûle dans le cœur, mitrunata shel hatshuva, découle du fait même de l'existence de la teshuva. Ba mitor tsar neshama shemitztaeret mamidata al matzav echad mimanata. Provient du fait que l'âme ressent qu'on stagne. À partir du moment où quelqu'un fait du surplace, stagne et arrête sa progression constante,
et bien l'âme se sent très 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 mal dans sa peau. Car la nature même de l'âme est d'apparaître de plus en plus dans la personnalité, dans la conscience de l'humain. Et dès que ce processus est arrêté, eh bien, elle perd le sens même de sa vie et elle rentre dans une frustration profonde, une souffrance profonde. Donc, lorsque quelqu'un se sent mal dans sa peau, se sent vide de sens, et il est frustré, il est dépressif, etc., qu'il sache que la plupart du temps, la cause essentielle, c'est que l'âme se sent mal. De quoi elle se sent mal? Pas besoin de chuter pour se sentir mal. Le fait même de stagner entraîne que l'âme se sente mal. Même s'il s'agit de quelqu'un de très haut, du point de vue spirituel, religieux, idéal, mais si à un moment il arrête de progresser, alors l'âme se sent mal. Et vu que l'âme se sent mal, elle émet des cris de douleur qui sont perçus par la conscience et qui entraînent que l'homme ressente une frustration profonde, une dépression même parfois. Ce qu'il dit, on prend ça dans le texte. Harata. Harata, c'est de... Comment on dit ça en français? Il s'arrête. Qui c'est qui peut m'aider? Il s'arrête. Regretter. Voilà. Le regret profond. Le regret naturel qui brûle dans le fond du cœur provient du processus même de la teshuvah qui vient lui-même d'une douleur de l'âme. Eh bien, qui souffre du fait même qu'on stagne. Alors que de manière naturelle, elle aurait dû progresser échelon après échelon selon sa véritable nature. Mais Kalva Homer a plus forte raison, il n'y marguait chez Batsma Irida. Et quelqu'un a dégringolé. Si déjà il arrête de progresser, elle est vraiment mal au point. Alors si encore plus que cela, il régresse, alors là, elle est vraiment au bord du suicide, elle se sent très, 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 très mal. Mais là, on peut arriver à une situation critique qui est paradoxale. Regardez. Et la chiim behemet yarda le gamre mima alata va ovedet i gamken et rush atzar arufani. Si la personne dont il s'agit là a tellement chuté, alors on en arrive à une situation dans laquelle elle perd sa sensibilité spirituelle, à tel point qu'elle n'est plus à l'écoute des cris de son âme. Et là, la situation est vraiment gravissime. Il a perdu toute vitalité. Et donc, l'espoir de guérir est très faible. Ça veut dire, comme dit Chazal, « Kevan tzadam hata veshana na'aseh lo keter » lorsque quelqu'un a fauté et qu'il récidive, et à nouveau récidive à fauter, finalement, à longue échéance, il perd la sensibilité du mal. C'est quelqu'un de normalement conçu, qui a été créé par Dieu, donc la droiture normale et naturelle de l'homme. Dès qu'il faute, il ressent une dissonance interne dans sa personnalité. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois qu'il faute, il ressent un peu moins. Et la troisième fois, un peu moins. Jusqu'à ce que ça se normalise. Et finalement, il ne ressent plus le problème qui est dans la faute. Alors là, c'est une situation gravissime. Parce qu'il a peu de chances de pouvoir s'en sortir, puisqu'il se sent bien dans sa peau. Donc, dit le Rav, lorsque l'âme arrête de progresser, déjà, elle se sent mal. Si elle dégraisse, elle se sent encore plus mal. Mais si elle dégraisse de manière extrême, alors là, c'est le pire de tout, c'est qu'il ne ressent plus rien. Regardez. Et la chiim behemet yarda le gamre mima alata. Elle a totalement chuté de son niveau naturel. Va ovedeti gamken et rush atzar arufani. Elle perd cette sensibilité de la douleur spirituelle face à la faute. Ou al kolpanim imavgimato. Si ce n'est qu'elle la perd totalement, du moins, au moins, elle abîme. Va les déserts hidudo amar mitvaet. Et c'est ainsi que ça. Sa sensibilité d'amertume face à la faute s'amoindrit, alors là, la situation est vraiment grave. Et il faut savoir que si quelqu'un souffre suite à la faute,
comment il doit en être heureux. Ça prouve qu'il n'a pas perdu sa vitalité. Exemple type, c'est quelqu'un, par exemple, qui vient de faire un accident de voiture. Il arrive à l'hôpital aux urgences. Alors, on veut vérifier l'état de sa situation de santé. Alors, on commence à le piquer un petit peu partout pour voir s'il n'a pas perdu ses sens. Et on pique, il ne réagit pas. Et à un certain moment, il hurle de douleur. Alors là, le médecin, lui, il hurle de joie. Il lui dit, c'est extraordinaire. Ça prouve que cet endroit-là du corps est encore vivant. Mais si on pique et que tu ne ressens rien, ça prouve que cet endroit du corps est mort. Donc, chaque fois que tu fautes, en fait, tu piques ton âme. Et si ton âme ne ressent plus rien, ben, ça rien. Ça prouve tout simplement que tu es totalement déconnecté de ton âme, elle est très loin et que tu n'es plus à l'écoute de ton âme. Donc, on revient à l'essentiel de la Pisca. Aval, Atsar, Shalamida, Al-Makom, Echad. On revient au début de la Pisca. Le fait même de ressentir une douleur parce qu'on stagne, ou Nokev, Yored, Ave, Maramake, Aneshama, perfore très profondément jusqu'aux profondeurs de l'âme. Vergashat akev gedola imerod, cette sensation de douleur est très très forte. Car une âme qui n'a pas été abîmée par une chute trop grande, couché à Rouhanim, Mbachaim Berim, ses sens spirituels sont en elle vivants et éveillés. Mais erat atzar shalamida makom echad, et donc cette brûlure du fait même de stagner, chez où effectivement, qui est le contraire même de sa nature, et toute la vocation même de son existence, brûle en lui comme une flamme. Dans cette flamme, au lieu qu'elle soit destructive et t'amène à un désespoir, au contraire, il y a faire l'échelle Ebet, Ava, Rabba, Melati, Oneg, Elion. Se transformera cette flamme en une flamme emplie d'amour et emplie de délices suprêmes, quand est-ce Bilgabra, si cette personne réussira à avoir le dessus, la Shuva Mechon Ariata, et reprendre à nouveau sa progression constante. Ou l'Arzi qui a fait Betrunat Italuta de Rolet, et de maintenir constamment cette énergie, ce dynamisme qui est propre à l'être humain. Comme dit Chazal, Adam, Narmal, Yulan. L'homme a été créé pour l'effort. La particularité même de l'homme, c'est l'effort. D'ailleurs, l'homme, se dit en hébreu Adam, qui est la même gamatria, la même valeur numérique que Ma, qui veut dire quoi ? C'est celui qui questionne constamment, non pas pour satisfaire seulement sa curiosité, pour avoir une réponse encore plus profonde, pour être capable de poser une question encore plus pertinente, encore plus profonde, et c'est comme ça qu'il progresse constamment. C'est la particularité de l'homme. Et dès que l'homme arrête de poser des questions et de progresser et de s'acharner à progresser, bien, il perd sa particularité et il devient un animal. Behema, Bahma, il m'a. Son quoi est en lui et permet en lui. Ça veut dire que la perfection de l'homme est dans la progression. Un animal, lorsqu'il naît, du moins après quelques temps, il est déjà parfait. Il n'y a pas plus parfait qu'un chat. Un chat ne peut pas être plus chat que chat. Il a appris à faire miaou et boire son lait. Bon, il arrive au top de l'expression de sa potentialité. Mais un homme, il a une potentialité infinie. Il est appelé constamment à mettre à l'œuvre cette potentialité. Et au moment même où il arrête, ne serait-ce qu'un instant, à s'efforcer de mettre à l'œuvre cette potentialité, il perd sa dimension humaine. Il retourne à l'échelle animale. Et à ce moment même, l'âme commence à hurler, car en fin de compte, c'est du gâchis. On a mis une âme humaine dans une personnalité qui se comporte comme un animal. Parce que ce sera mal dans sa peau, et elle a qu'un seul désir, c'est de retourner à son origine, le désir de mourir. En fait. Donc, si quelqu'un se sent mal dans sa peau, pas besoin d'aller perdre de l'argent, aller voir un psychologue, un psychiatre, à moins que ce soit vraiment une situation pathologique, tout simplement, se mettre à l'effort et à la créativité et au dynamisme constant vers le haut.
et il reprendra toute sa vigueur et toute sa joie de vie. Et c'est comme ça qu'on est censé constamment progresser. C'est-à-dire, il dit le Rav, là vous n'avez pas lu, donc l'habitude de ceux qui ont l'habitude d'étudier avec moi, lorsqu'on étudie, on va t'aider Shua, c'est toute une promenade à travers le livre, parce que, comme dit Srazan, on ne peut pas tout dire dans tous les piscaot. Donc, des fois, le Rav développe un certain sujet de manière partielle dans une pisca et développe davantage de notre pisca. Mais là, comme vous n'avez pas le texte devant les yeux, je ne peux pas trop me promener, mais je veux dire ça par cœur. Il y a un endroit où le Rav il explique que la faute la plus gravissime, c'est d'être coincé dans une seule conception. Il y a des gens, surtout la pisca, qui stagnent dans une conception et ils se sentent bien. Voilà, ça se trouve pour ceux qui ont le livre au chapitre 5, paragraphe 5. Je vais le lire lentement pour ceux qui n'ont pas le texte. Arakshanut. Arakshanut, comment on traduit ça, Arakshanut? Quelqu'un qui est têtu, il est Arakshan. Comment on dit le nom? L'entêtement. L'entêtement, oui. Arakshanut. La'amod tamid beda achat. De maintenir toujours la même conception. Et de s'y lier avec des lianes, avec des cordes fauteuses. C'est un souleminal qui finalement devient une habitude. Ben me maasim, ben me dot. Ce sont au niveau des actions ou bien des conceptions, qui mahala est une maladie. C'est une situation pathologique. De toujours être coincé au même niveau. Au niveau des comportements, au niveau des conceptions, et de s'y agripper de manière maladive et d'avoir peur de changer. Imachala bamitor shikwa mabdut kasha. C'est une maladie qui provient du fait que tu as sombré dans un asservissement très très dur. Et ceci en aucun cas ne pourrait permettre à la teshuva, la lumière de teshuva, qui est eux qui aiment toute liberté, d'apparaître dans toute sa vigueur. La teshuva, elle, aspire à une liberté totale. Amiti, qui est la liberté divine, qui est infinie. Avec laquelle il n'y a aucun asservissement. Et très souvent, on voit des gens qui sont coincés dans toutes sortes de comportements, d'habitudes, de manières d'être, de manières de faire. Et dès qu'on leur demande de bouger un petit peu à droite, on voit, ils perdent le contrôle, ils perdent leur équilibre, ils ne savent plus s'y retrouver, etc. Il faut savoir que toutes nos habitudes ne sont que des outils en nos mains. Et en aucun cas, nous devons être des esclaves de ces habitudes. Tant qu'elles sont à notre service, tant mieux. Sinon, avec plaisir, on les jette à la corbeille. Aussi bien nos habitudes que nos conceptions. Jusqu'à présent, tu avais l'habitude de penser de cette manière. Et voilà que tu rencontres une conception totalement autre, qui est bien plus grandiose. Aucun problème, sans aucune scrupule, tu prends cette conception, tu jettes à la poubelle et on passe à la suivante. Il dit par exemple, à propos de, j'ai oublié son nom, dans sa mémoire, c'est pas grave, chaque oiseau qui passait sur sa tête se brûlait. Qu'est-ce que ça veut dire? L'oiseau, dit le Rav Kook, c'est l'envol de la pensée. De manière générale, quelqu'un perçoit une certaine conception. Il commence à la comprendre, à intérioriser cette perception, vive en fonction de cette nouvelle conception. Après quelque temps, il se rend compte que bon, c'est bon. Elle a fait son temps, cette conception, le temps d'arriver, de passer à la prochaine. Mais le temps de cette digestion intellectuelle, émotionnelle, etc., ben, dépend chacun de nous, sa vitesse de croisière. Il y en a qui, pour qui ça prend une semaine, d'autres un mois, d'autres un an, d'autres 10 ans. Rabbi Nathan ben Uziel, vous retrouvez le nom. Dès qu'une conception s'approchait de son intelligence, il a brûlé de suite. Il savait que ceci est déjà trop petit, il faut passer au prochain stade. Il a conçu le niveau X,
c'est déjà trop petit, il faut passer à X plus 1. Il en arrive à X plus 1, c'est déjà trop petit, à X plus 2. Et ainsi de suite. De manière continuelle. C'est ça toute la grandeur. De ne pas s'agréger. Tous les plus beaux idéaux qu'on peut te vendre, ils sont bons ad hoc. Dans une seconde, il y a une élasticité d'esprit et être prêt à adhérer à une idéale encore plus grande. Sans aucune scrupule, sans aucune nostalgie envers la conception précédente. C'est le caractère même, la caractéristique même de la déchouva. Cette élasticité est toujours capable de jeter à la poubelle tout ce que tu avais jusqu'à présent et entamer un nouveau stade. D'ailleurs, il est dit dans le Zohar Kadosh, Sadikim, Mouchanim, Nimidbar, Garbayu, Beginikra, Dekouchabiretu. Les véritables Sadikim sont toujours prêts à casser leurs ossements pour l'honneur de Kadosh Baruch Hu. Leurs ossements, c'est-à-dire leur essence même. Tout ce qu'ils ont acquis jusqu'à présent, c'est un problème. Maintenant, j'ai compris qu'il y a une plus grande manière de servir Dieu que de jeter ça à la poubelle. Exemple type, Avraham Avinu, qui a fait la révolution mondiale pour expliquer à l'humanité entière qu'il n'y avait pas besoin d'égorger ses enfants pour servir le divin. Et un beau jour, Dieu lui dit, tu sais quoi, prends ton fils, tu l'égorges. Mais je vais te la riser de tout le monde. Il ne pose même pas la question. De suite, avec un enthousiasme extraordinaire, tel que s'expliquait dans la Tréia, dans toute la paracha, de manière extraordinaire, un enthousiasme extraordinaire, il va pour accomplir cet ordre divin, qui va totalement à l'encontre de toutes ses conceptions jusqu'à présent, et qui va le rendre totalisé de l'humanité entière, et qui va écrabouiller totalement l'idéal de sa vie. L'idéal de sa vie était d'édifier la nation d'Israël, qui va élever l'humanité entière. Ben, si les gorges Yitzhak, il n'y aura plus de la nation d'Israël, il n'y aura plus d'élévation de l'humanité entière. Tout l'idéal qu'il avait enthousiasmé jusqu'à présent, il est prêt à y renoncer pour l'honneur de Kadosh Baruch Hu, parce qu'il sait bien que Kadosh Baruch Hu comprend un peu mieux que lui quel est le véritable idéal. Donc cette capacité de progresser constamment, sans se laisser agripper avec un asservissement aux conceptions, c'est le caractère même de la déchouva. C'est ça ce que le Rav nous enseigne. Et dès que quelqu'un n'est pas dans cet élan constant de progression, l'âme se sent mal conservée. Comme il est dit, Tzadikim, Olchim, Mechaïl, Elchaïl. De combat en combat. Tzadikim, Rahamim, Elem et Noura n'ont pas de repos. Ben mince, ils n'ont pas le droit de sortir en vacances de temps à autre, Tzadikim, Rahamim. Ben, le pire pour eux, c'est de sortir en vacances. De leur dire, tu sais, repose-toi, ça suffit. Ben, j'ai plus de raison d'être. C'est tout ce qui lui donne envie de vivre, satisfaction de vivre, c'est l'effort constant, encore un combat, encore un combat, encore une région d'obscurité qu'on transforme en lumière. C'est la nature même de l'homme. On parle de Talmidei Chachamim, ce n'est pas une élite dans le peuple d'Israël. Tout un chacun d'Israël est censé être Talmidei Chachamim, qui plus, qui moins. Il n'y a pas chez nous du sang bleu, il y en a qui naissent Talmidei Chachamim, d'autres qui naissent non Talmidei Chachamim. La Torah est posée là sur le coin de la table. Celui qui en veut, qui en prenne et qui grandisse à sa lumière. Ça veut dire, en fait, ça vient exprimer quel devrait être le tempérament, le caractère de tout juif. Car c'est la nature de tout juif. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui a réussi un peu plus que les autres à dévoiler la nature d'Israël, nationale, éternelle, qui est en lui et qui apparaît un peu plus chez lui. Mais ce n'est pas son acquis à lui, ce n'est pas son bien, ni son patrimoine, c'est le patrimoine de tout le peuple d'Israël. Qui est exprimé un peu plus chez lui, c'est-à-dire, il ne faut pas se gourer, lorsqu'on respecte un Talmid Chacham, ce n'est pas une admiration de la personnalité en tant que telle. Lorsqu'on respecte un Talmid Chacham, en fait, on se lève, c'est une idée de se lever devant un Talmid Chacham, devant l'âme d'Israël. On se lève devant soi-même, en fait. On se lève devant ce qu'on devrait être. On se lève devant notre véritable nature, telle qu'elle devait apparaître dans notre personnalité. Et donc, quand Chachamim me disent, il y a une mitzvah, le chabed et la Torah, de respecter la Torah.
qui apparaît dans ce monde par l'intermédiaire du Talmid Efraïm. Ce n'est pas simple pour donner, envoyer des fleurs sur le Talmid Efraïm. C'est pour te stimuler à être ce que tu veux être. Parce que ce que tu admires, c'est ça, ce à quoi tu aspires. C'est une technique de Chachamim pour t'amener à admirer des choses qui sont véritablement valeureuses pour que tu, finalement, tu y adhères. C'est-à-dire, top. On passe au prochain paragraphe, paragraphe Banet. Yesh shalev dochek tamid mipne ogmat nefesh. Belotam vesiba. Vezeba mimekor ateshuva. שהאור העליון של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מקובצת מאוד. וצריך להזין על נקודה גרעינית זו פלגים גדולים ממעיין הדעה העליונה. ואז תצא לאור עולם בהרבה נגוהות. גדולות ומפוארות, ותקיף את כל רז החיים, ועץ החיים יגלה בהדרת פירותיו על הנשמה, ויתעלה ויתקדש אז האדם, ויהפך אבלו לששון, וינחם וישמח מיגונו, ומאופל ומחושך, עיני עיוורים יראנה. אור בה. יש הלב דוחק תמיד בפני עוגמת הנפש. Il peut arriver parfois que quelqu'un ressent constamment une sensation de malaise, on va dire. Il sent mal dans sa peau, une certaine frustration, une certaine dépression. Mais il ne sait pas exactement pourquoi. Des fois, il y a des gens qui sont dépressifs, je ne sais pas, parce qu'ils ont perdu leur boulot, ils n'ont pas trop mangé, leur copine les a abandonnés, toutes sortes de causes. Mais lui, il n'arrive pas à résoudre le problème. Qu'est-ce qui l'amène à cette situation de tristesse constante? Belotam Messiba. En fait, il y a une cause, mais il n'arrive pas à résoudre le problème. Quelle est la cause de cet état dépressif? Mais Zéba Mimekor Adeshuva. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'occasion de sombrer dans le désespoir. Mais en faisant une auto-analyse, de voir comment se servir de cette situation pour bondir de plus belle. Les bas, mais mes corps à Teshuvah. Ceci provient de la source de la Teshuvah. Pour ceux qui n'ont pas étudié, je suis présent avec vous, la Teshuvah, on l'a expliqué à plusieurs reprises, elle vient de Dieu. La Kadosh Baruch Hu, de la source de vie, émane un flux constant de vie divine qui revivifie l'existence constamment et qui l'intensifie. Donc, lorsque ce flux frappe l'homme, ça l'amène à toutes sortes de pensées, de remises en question. Quand ce flux frappe une fleur, ça fait en sorte que cette fleur grandit. Quand ce flux frappe la science, eh bien, la science se développe, et ainsi de suite. Tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qui se développe dans ce monde, et de fait, ce monde est en développement constant, tout ceci est le fruit, tout ceci est la conséquence de ce flux de Teshuvah d'Hachem. Teshuvah, Tashuv, et Dieu retourne. Retourne vers son monde et afflue vers son monde. Donc, vient le parcours qui nous enseigne que cette sensation de détresse, de dépression, peut provenir, de manière paradoxale, d'Afka de la Teshuvah. Il va expliquer pourquoi. Cette lumière suprême, chez Ziva Shekhina, qui est en fait un rayonnement de la Shekhina. Une autre manière de dire Tshuva. Tshuva, on expliquait, c'est ce flux qui vient de la source de tout être, et qui inonde le monde de la bénédiction divine. Bien, c'est ce rayonnement de la Shekhina. Midgale be'omeka nefesh be'tshuva mekouvet cette merde. Apparaît dans le plus profond de l'âme, mais malheureusement de manière très compressée et étriquée et ne permet pas de se déployer et d'être malé d'abondance dans la personnalité. Et qu'est-ce qui fait que ce flux de Teshuvah, ce flux de ce rayonnement de Shekhinah qui
qui vient éclairer l'homme n'a pas de possibilité de se se propager dans toute la personnalité, c'est des fautes. Les fautes réalisent un écran entre nous et Dieu. Les fautes étouffent et ne permettent pas au flux divin qui vient vers nous de se propager dans toute notre personnalité. Et donc, ce rayonnement de divinité qui vient en nous, qui normalement est venu pour nous remplir de vigueur, de réussite, de vivacité, etc., est coincé, est étouffé, est bloqué. Et l'âme, alors là, ça se sent dans une situation catastrophique parce qu'elle était sur le point d'être réanimée et juste quand la vie se rapproche, elle est coincée par les fautes. Et ceci la rend dans une situation de frustration très profonde. Donc, que faut-il faire, c'est comme en fait une énergie énorme, mais qui apparaît de manière garinite, comme une graine. C'est-à-dire toute la puissance de cette énergie s'y trouve, mais elle est étouffée et rapetissée au niveau d'une graine. Et bien une graine, on l'arrose, ça pousse. Le cèdre énorme, avec toute cette force de vie, se trouvait dans la graine. Il a juste suffi de l'arroser, ven maim et la Torah. La Torah est le liquide magique qui arrose cette graine et qui fait fleurir toute l'intensité de vie divine qui se trouvait condensée dans cette graine et qui va se propager dans notre personnalité et nous redonner de la vigueur et de la force et de la joie de vie. C'est-à-dire l'asil en ekuda garinit. Il faut faire écouler sur ce point de graine plagim dolim, énormément de fleuves, on va dire. Mais évidemment, il ne suffit pas seulement d'étudier la Torah dans ses aspects techniques, mais essentiellement Adéa et Elena, les idéaux les plus suprêmes. Il fait allusion évidemment à l'étude de la Emuna et plus profondément à l'étude de la Kabbale, chacun à son niveau. Ve'as tetzé l'orolam bermenegot. Alors, toute cette énergie qui était condensée dans cette graine apparaîtra en toute lumière pour me foirot et donnera ses fruits. Pour apparaître le secret de la vie, et l'arbre de la vie apparaîtra dans toute sa splendeur dans l'âme. Et si l'âme se sent bien, évidemment, notre conscience aussi ressent ce bien-être de l'âme, et on en arrive nous-mêmes à ressentir un bonheur intense, incomparable à tout autre bonheur on pourrait avoir suite à des satisfactions corporelles. Car toute satisfaction corporelle n'est que passagère et juste après qu'elle passe, entraîne à l'homme une douleur profonde. Non seulement on n'en ressort pas avec un bonheur, on en ressort avec une sensation de vide encore plus dure. Et souvent les gens sentent un manque, un vide. Comment dire en anglais, la rasra, l'angoisse. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alia la régale. Ça veut dire quoi la régale? Pèlerinage. Ils vont pèleriner. Mais au lieu de pèleriner sur le mont du temple, ils vont pèleriner au frigidaire. Pour voir, peut-être qu'il y a un nouveau gâteau. Peut-être que par hasard, ma femme a fait un gâteau à la crème. Et ça va me rajouter de la joie. Donc, il mange un bon gâteau, pensant que par là, il va combler ce manque. Et après qu'il a terminé, à part les mots de vente, il ne sent pas qu'il a comblé ce manque. Et au contraire, l'âme se sent énormément frustrée, et même plus que frustrée, méprisée. C'est ça ce que tu me donnes. Elle espérait le plus, elle a reçu 100 grammes de farine. Donc elle se sent très attristée de ce dédain envers elle. Et cette souffrance atroce, elle l'aimait, et la conscience le ressent, et on en ressort attristé davantage. Ça s'appelle l'Echem Atsevim,
le pain de la tristesse. Donc, alors que là, lorsque tu as arrosé de connaissances suprêmes qui t'amènent à adhérer à des idéaux très très hauts et très nobles, c'est une nourriture totalement adéquate à l'âme, alors tu en ressors rempli de vigueur et de joie. Vite aller, vite kadesh et adam. Alors l'homme s'élève, se sanctifie, et a fait revlo les sessons, et c'est ainsi que son deuil se transforme en joie. Vinachem, vishamar, vivono. Alors il va se consoler, être joyeux de sa tristesse. Il va comprendre que cette tristesse est elle-même qui l'a amené finalement à aller chercher une solution, et cette solution l'a élevé à une situation bien plus haute qu'il était avant que la tristesse n'apparaisse dans sa personnalité. Comme il dit, de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. C'est-à-dire très souvent, les situations les plus complexes amènent à des situations meilleures, comme le passage le dit, et Sarah il Yaakov, ou Mimena Ivacher. Nous nous trouvons maintenant dans une époque de détresse, mais on en ressortira plus fort. Donc, très souvent, on explique ça de manière assez banale. C'est plus ou moins la vérité de la palisse, de dire, bon, maintenant on est dans la tristesse, maintenant c'est la pluie et l'orage, après le soleil arrivera. Pas besoin de la Torah pour enseigner quelque chose d'aussi élémentaire. Le chidouz de Tapasou, ou mimena ivacher, grâce à elle, il sera sauf. Il faut savoir que les périodes difficiles que l'on vit, aussi bien à l'échelle individuelle que nationale, que mondiale, que maintenant, ce n'est pas que Dieu est en colère contre nous et veut nous frapper, est un moyen de nous faire progresser. Et les situations complexes nous amènent à des réflexions, à des analyses, à des auto-analyses, etc. Et malheureusement, le train-train quotidien de la vie parfois ne permet pas de faire des examens de conscience. Là, on a énormément de temps à réfléchir sur l'essence même de la vie et l'avenir du monde. Et la vocation même du peuple d'Israël dans tout ce trouble universel. Et donc, sans aucun doute, qu'on en sortira bien, bien plus grand après ça. Donc, Piscaré, c'est par là on va terminer. Rachivut akedusha, shel a Adam, béhéné a Beriot, et la tsicha le achlish et a da'at, mi péné a tiviot yeshlo à l'atzmo. שהן היסודות התשובה המביאה לכל ההתעלות, המושיעה את היחיד ואת העולם כולו. אומנם, צריכה היא החשיבות הזאת לעורר את תכונת הענבה בכל מילואה, שההתעמקות בשורשה מביאה היא את העטרה של החוכמה כולה, ולשמירת הענבה לחידורה בכל מחבואי הנשמה. תכונת הגבורה דרושה היא. והדר החיצוני הבא מתוך החברה, הרי הוא מחזק את היסוד של הגבורה, שיוכל לצאת בבהירות צחצחיותו אחרי שמזדקק מתוך הזוהמה של הגאווה. זה כל זה שתי. חשיבות הקדושה של האדם בני הבריות. Parfois, il y a des gens qui sont considérés et appréciés et admirés par les autres. Alors là, la situation était dangereuse. C'est le danger qui peut arriver à tous les rabbins. Monsieur le rabbin, on lui lèche les mains, on se lève devant lui, et on l'admire, on lui pose des questions, et on lui donne une bonne place. On le respecte tellement que finalement, il risque de se prendre au sérieux. Et là, la situation est gravissime. Rachivut akedusha. C'est-à-dire, on a une approche de sainteté envers quelqu'un. Bene abriot. Aux yeux, créatures. Et natricha la chlish et adad mi penat eviot yeshlo al atzmo. En aucun cas, ceci ne devrait affaiblir l'exigence de l'homme envers soi-même. Car si tout le monde te considère comme un grand homme, comme un grand sadique, comme un grand idéaliste, et t'apprécie, t'admire, et te flatte, et te jette des fleurs, et prend conseil avec toi, bon, ça va, alors la vie est belle. Je ne suis pas trop nul. Regarde, tout le monde pense que je suis bien, donc je ne suis pas trop nul. Et on t'arrête ton examen de conscience, on t'arrête
ton autocritique. Et là, ta situation est catastrophique. On en revient à ce qu'on a dit à Pisca Guimel. Quelqu'un de normal est censé progresser constamment. Et comment progresserait-il s'il est persuadé qu'il est au sommet de la perfection parce que tout le monde le flatte? Donc il a perdu son caractère essentiel d'humain. Et c'est ça le danger de toute personne qui a un rôle de rabbin, politicien, peu importe. Si il fait allusion au rabbin, il parle de Kedusha. Donc, on reprend dans le texte. Regardez. Hachivut à Kedusha. Le fait qu'on les marchivim, on considère quelqu'un comme ça, béné à briot, aux yeux des créatures, et un atricha à la friche. Et là, il s'adresse au rabbin, faites gaffe. Ce n'est pas parce qu'on vous respecte et qu'on vous admire et qu'on vous considère comme des gens grands et sublimes et hauts, idéalistes et nobles que vous devez arrêter vos exigences envers vous-même. Shehen ena yesoda de teshuva. N'oublions pas que ceci est le fondement même de la teshuva, la remise en question constante, l'examen de conscience. Amevia le kol eitalut, qui amène à toute progression. Amoshia et Tayachid et Taolan Kulon, qui sauve l'individu et l'humanité entière. C'est la catastrophe si quelqu'un arrête de se critiquer. S'il n'y a plus d'autocritique, on est foutu. On fera du surplace, et pire encore, on peut dégringoler de jour en jour. Alors, comment se servir de ce danger, comme c'est toujours l'art du Rav Kook, comment inverser les choses? A priori, c'est un poison. Le fait qu'on se flatte et qu'on t'admire, etc. Comment s'en servir de manière positive? Alors, c'est vrai que dans la pista, il s'adresse au Tanoudé Faramim, mais c'est aussi vrai pour tout individu. Car tout individu, aux yeux d'une autre personne qui se considère plus basse que lui, est considéré comme un ange. Et donc, il reçoit des flatteries des gens qui sont plus bas que lui. Donc, ce danger est aussi vrai pour tout d'un coup. Voilà. Omnam. Sricha yachashivut azot leorer trunat anava bechol midwa. Au contraire. Sers-toi de cela pour réveiller en toi la modestie, l'humilité dans toute sa plénitude. Parce que toi, tu te connais parfaitement. Tu sais exactement où tu en es. Et lorsque on te surapprécie, comme ça qu'on dit, il est dans ma quel fribouille que je suis. Il pense vraiment que je suis un sadique, alors que je sais très bien que je suis un nul. Quelle honte. Et ceci me rabaisse un petit peu le caquet, comme on dit, et me ramène à la modestie. Omlan tzicha yachashivut azot leorer et trunat ha'anava bechol midwa. Sha'itamkut beshorsha mevia et ha'atara shel ha'chokhma kula. Et plus on s'approfondit dans la racine même de la modestie, c'est comme ça qu'on a de fortes chances d'être couronné de la sagesse. Car il est dit, Ekem anava ira. Et de l'autre côté, il est marqué, Reshit Chochma ira tachem. Istazal, Ma sheasta. Chochma atara le rocha, asta anava soulia, excusez-moi, en fait, c'est marqué, ekev le souliata. Qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis mot à mot. Ce que la sagesse a pris comme couronne, et bien la modestie en a fait la semelle de cette chaussure. Incompréhensible. Hein? On va expliquer l'énigme. Réchit Chochma Yirat Hashem. Ce qui veut dire la tête de la Chochma, le summum de la Chochma, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire ce qui est plus important que la Chochma, la sagesse, la connaissance, c'est la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu couronne la Chochma, la sagesse. Mais il est dit aussi Ekev Anava. Ira.
le talon de la modestie, c'est l'aspect le plus bas, ce qui se trouve en dessous de la modestie, c'est la crainte de Dieu. Donc si on va chercher les niveaux, au plus haut se trouve la modestie, en dessous de cela, la crainte de Dieu, et en dessous de cela, la sagesse. Donc, quelqu'un qui s'élève au niveau de la modestie, évidemment, qu'il aura déjà dans sa poche la crainte de Dieu et la sagesse. C'est clair? C'est ce qu'il veut dire. Donc, se servir des flatteries des gens, de l'admiration des gens, pour en arriver à la modestie. Parce que tu sais exactement qui tu es, et que tu sais que tu es flatté de manière pas réelle, et donc ça t'emplit de honte et de modestie. Et bien, tu es en sorte gagnant de chance, parce que si tu as de la modestie, automatiquement, tu pourras acquérir la chorma de Kadosh-Baruch. Parce qu'il est dit que Dieu a choisi la montagne la plus basse pour donner la Torah. La Torah, c'est comme de l'eau. Bien, l'eau, elle coule du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Mais si quelqu'un est trop haut, eh bien, l'eau ne va pas grimper vers lui. Mais si il rabaisse son caquet, la Torah glissera vers lui. Donc, si tu as un âme, tu auras aussi la Torah dans la poche. C'est ça que les familles nous disent. Isaru metoratam shel bene anim. Faites gaffe. La Torah des pauvres malheureux. Des pauvres enfants qui ont grandi dans des niveaux socio-économiques très très bas, eh bien, d'eux sortira la Torah. Parce que leurs conditions de vie étaient tellement dures qu'ils n'ont pas eu trop l'occasion de s'enorgueillir. Ils se sentaient toujours amoindris relativement aux autres personnes qu'ils rencontraient. Donc, de manière volontaire ou pas, ils ont développé en eux une certaine modestie. Et bien, ces gens-là, ils ont une étoffe humaine totalement adéquate à s'emplir de Torah. Ils arum et toratam se benanim. Qui mehem tete Torah d'Israël. Dieu sortira la Torah d'Israël. Donc, comment inverser la vapeur du drapeau? Les gens te flattent. Au lieu de tomber dans le piège et de commencer de t'en envier, prends conscience que toutes ces flatteries ne sont vraiment pas adéquates à ta véritable valeur, parce que toi, tu connais ta véritable valeur. Et au contraire, ça va t'amener à l'anava. Et ayant acquis ce niveau d'anava, ça t'amènera finalement à une grande connaissance de la Torah. Mais non, le problème, c'est qu'il y a toujours un petit salaud qui nous attend au tournant, le Yetzer Hara. Il ne va pas te laisser comme ça arriver à la Nava et te laisser en paix. Il fera de tout pour te faire trébucher et te faire arriver à la guerre. Donc, tu es en combat constant, en guerre constante, tout le temps. Celui qui pense vivre dans une paisibilité dans ce monde, se leurre. Ce monde, c'est le monde du combat et des luttes. Aussi bien des luttes contre les nations du monde qui veulent nous écraser, mais la lutte la plus dure, c'est dans notre intériorité, le Yetzer Hara qui fait de tout pour nous faire chuter. Et pour être un vaillant soldat contre ce soldat malin qui s'appelle le Yetzer Hara, il faut énormément de force. D'où puiser cette force? Et la faute essentielle que le Yetzer Hara s'efforce de te faire tomber vers elle, c'est la garde. Parce qu'il sait au moment où il a réussi à te faire tomber dans le piège de la gava, tu es foutu. Toute ta vie sera ratée. Il n'y aura ni Torah, ni rien du tout. Donc, il a réussi son plan à te t'esclater la vie. Donc, dit le Rav Kook, tu as compris comment inverser la vapeur, arriver à la lava, c'est parfait. Mais ne dors pas sur tes lauriers. Il y a un sale soldat qui t'attend au tournant, qui est le Yetzer Hara, qui peut te faire tomber dans la Gahava. Donc tu dois constamment lutter contre lui. Mais si tu luttes constamment, tu risques finalement d'en sortir exténué. D'où puiser ses forces, d'être en énergie constante pour lutter contre ce Yetzer Hara de la Gahava. Encore une fois, vous allez voir comment, par un coup de baguette magique, le Rav Kook inverse la vapeur, de se servir de la flatterie des gens
qui te flatte de manière vraiment inadéquate pour te donner de la force pour lutter contre le garde. Regardez. Ou le shimirat à un avant pour préserver cet en avant, cette modestie. Les chidoura bechol marboé à l'échama et de la fermer les traits dans toutes les cachettes de ton âme. C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement un vernis artificiel, mais que ce soit profondément ancré dans ta personnalité. Trouva ta goura de mouchaï. Cela nécessite énormément de vaillance, de vigueur, de force, de courage. Alors, d'où je vais prendre ça? Et hadar achitsoni. Eh bien, toute cette splendeur artificielle, c'est-à-dire toutes les flatteries qu'on me donne, qui pourraient m'amener à me ressentir important, etc. Abba mitoch achevra, qui provient de la société environnante. Aroube chazek et aïsot alagoura, renforce ma personnalité. Vous savez, on dit toujours dans l'éducation des enfants, ben, il faut flatter les enfants, c'est important. C'est vrai, parce que ça lui donne plus d'assurance, plus de force de caractère. Et bien là, on va se servir de toutes les nouilles qui m'admirent, pensant que je suis grand. Et moi, je sais très bien que je suis un nul. Et c'est ça ce qui m'amène à la modestie. Mais au moins, je me sers de toutes ces flatteries pour renforcer mon ego, pour être fort, pour lutter contre le Yetzer Hara de la garde. C'est clair? Vous avez compris l'astuce? Donc, regardez. Ahadar Achitsoni, Abba Mitoch Achevra, qui provient de la société environnante. Arum Echazek et Esot Pelagboura, renforce le fondement de la vaillance, de la force, du courage. La Tzed Bebirut Sarsariuto, et c'est comme si qu'on peut, on va dire, prélever le suc intérieur de toute cette approche qui est totalement négative. On n'en veut pas. Vous savez qu'il est marqué qu'un Tamid Chacham, il a le droit de se servir de Shminit Mishminit de Garba. Un huitième de Garba. Qu'est-ce que ça veut dire un huitième de huitième? C'est-à-dire 1 divisé par 64. C'est ce qu'on appelle, dans les termes hilchatiques, Batel Bishishim. Ça s'annule dans une quantité multipliée par 60. Ça veut dire, si tu as 60 kilos de viande, dans lequel est tombé 1 kilo d'un aliment halavi, c'est caché. Batel Bishishim, c'est annulé dans 60. Donc, une manière métaphorique de dire une petite partie, Israzal, qui a le droit, en tant que Tanin Chacham, pas seulement tu as le droit, c'est même conseiller, d'avoir un 64e de garde. Pourquoi? Pour avoir un certain impact sur les gens. Parce que si tu as l'air d'un clochard, eh ben les gens ne prendront pas au sérieux ce que tu racontes. Donc tu fais des films, tu mets un costard, une belle cravate, etc. Ça fait de l'effet sur les gens. Il y avait même des rabbins qui allaient avec des cannes qui étaient même enveloppées un peu d'argent et d'or. Et quand ils marchent, ils font toc, toc, toc. Ça fait une certaine impression. Les gens le respectent. Vu qu'ils le respectent, ils prennent plus au sérieux ses dires. Et donc, ça a plus d'impact et d'influence sur eux. Donc, c'est permis. Le fait qu'ils soient marqués, c'est permis. Ça ne veut pas dire pour autant que les Talmidei Chachamim ont envie de se servir de ce poison. C'est comme si on te dit, tu sais, dans la soupe, là, il y a un rat qui est tombé dedans. Mais ce n'est pas grave, c'est cachère, parce que c'est seulement un 60e. Mais qui c'est qui a envie de manger une soupe dans laquelle il y a un rat qui est en train de nager? C'est dégueulasse, c'est insupportable. Donc, un véritable Talmidei Chacham, il a en mantise la gave. Et quand on le flatte, ça le met mal à l'aise. Il haït cela. Et donc, bien qu'il en souffre, dit le Rav Kook, c'est vrai qu'il en souffre. Mais si déjà tu es rentré dans une situation complexe dans laquelle on t'a fait des flatteries, etc., profites-en pour renforcer ta personnalité, pour lutter de plus belle contre l'ennemi essentiel qui est le Yetzer Hara de la garde. Vous savez, on va terminer par une anecdote dans le Shemitra. Quand le beau-père du Rav Kook, le Rav Haderetz,
a été invité par les Juifs d'Eretz Israël d'être rabbin de Jérusalem. Il habitait en exil, en Russie, si je ne me trompe. Et on lui a proposé d'être le grand rabbin de Jérusalem. Top. Donc il a accepté le rôle. Et il prend le bateau avec sa famille et il arrive en Eretz Israël. Et voilà qu'il aperçoit au loin, quand il se rapproche de la côte de Yafo, je ne sais pas si c'était peut-être à Haïfa, je ne me rappelle pas, il scrute l'horizon. Et il voit toute une foule qui l'attend pour lui faire des honneurs. Le grand rabbin arrive, les Juifs sont venus pour le clamer, etc. Il dit pas mince, comment je me débrouille dans cette galère? Il écrit dans son roman personnel, Yomanishi, je suis modeste. Comment je vais faire? Mais d'un autre côté, ces gentils Juifs, ils sont venus pour respecter la Torah. On ne peut pas les frustrer. Je ne sais pas trop quoi faire. Bon. Dès que le bateau met l'ancre et débarque, ils accourent tous vers lui. En plus, ils le prennent sur les épaules. Là, il s'effondre. Il rougit de honte. Il ne sait pas trop quoi faire. Donc, il n'arrête pas de dire des psukim. Afar, verima, nivetolea. Je suis de la poussière. Je terminerai en poussière. Veillim, takbia, kanesha, kinecha, mesha, morideka. Combien même éleverais-tu ton nid au plus haut comme les aigles, de là-bas je te rabaisserai. Il n'arrête pas de dire des psukim pour rabaisser son ego. Et très souvent, les rabbins sont confrontés à des situations complexes, telles que ça. Parce que les juifs, eh ben, ils sont respectueux envers la Torah, de manière générale. Quand ils voient un rabbin, ils le respectent. Oui, mais lui, c'est un bonhomme, c'est pas un parchemin, c'est un homme avec une sensibilité et qui cherche de s'évader au plus vite de la gava, et là on le met dans des situations complexes qui risqueraient de l'amener à s'enorgueillir. Et d'un autre côté, des fois, il ne faut pas froisser la bonne volonté des Juifs. Il y a des gens qui viennent, qui embrassent la main du rabbin, il y en a un qui retire la main. Et d'autres qui disent non, au contraire, je leur donne parce que grâce à ça, ils vont respecter la Torah, ils vont progresser dans la Torah. Mais c'est lui qui finalement, il en ressort sali de cette situation. Donc toutes ces situations sont très complexes. Et c'est de cela que traite la Pisca. Le Rav Kook dit, quand tu te trouves dans une situation complexe, sers-toi de cette situation vraiment non souhaitable pour le bien. Donc, on va résumer avant de terminer. On te respecte, on te considère comme bien important et de ça, etc. Au contraire, tu sais très bien que tu n'es pas méritant de cette approche. Donc, emplis-toi de modestie. Tant pis de modestie, tu en ressors gagnant, tu auras aussi toute la Torah avec toi. Mais au tournant, tu attends ce salopard qui veut te faire encore une fois tomber dans la gava et tu dois lutter constamment. D'où vas-tu tirer ses forces pour ne pas t'épuiser à lutter constamment contre les salopards de la gava? Eh bien, Dafka, du fait que les gens te respectent, ça te renforce un tout petit peu ton ego et ça te donne plus de force de caractère pour lutter de plus belle contre eux. La garde. Donc, portez-vous bien et passez cette période de confinement avec plaisir. On en ressortira le plus grand des attachés. Merci. Prochain cours de l'attaché la semaine prochaine. Ce qui est des autres cours de l'île mode, donc c'est demain matin à 9h avec Rav Ben Ishai et ensuite vendredi vous attachez sur la paracha. Toda Rabba à tous. Zakobaro. Shalom. Non. Salut Corinne.